Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur la chaîne Maman Pas Organisée. Déjà pour commencer, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire et surtout à liker la vidéo. Je te remercie d'avance. J'espère que vous allez vraiment très très bien les amis. Bon, aujourd'hui chez moi, il pleut, je ne sais pas chez vous, mais le temps n'est pas au rendez-vous. Il commence à vraiment à faire froid. Donc là, vous devez dire c'est quoi tous ces produits. Donc je reviens avec une petite vidéo avec les articles Action. C'est que des produits Action à avoir chez soi et je vais vous dire les utilités de ces produits. Donc, il y en a certains que vous devez connaître, peut-être pas, peut-être, je sais pas, mais je fais quand même cette vidéo au cas où. Alors, pour commencer, je vais commencer par le RVS. Donc, celui-ci, franchement, je l'aime beaucoup, je l'achète souvent dès que la bombe est finie. En fait, ça se présente comme ça avec un spray. C'est pour nettoyer tout ce qui est hotte, les trucs des fours, les robinetteries, les éviers. Moi, je m'en sers uniquement pour mon évier en inox. Vous le pulvérisez et en fait, ça laisse une fine pellicule quand vous nettoyez, quand vous terminez d'essuyer. Et en fait, franchement, le rendu, il est magnifique. L'évier, il brille. Et je vais vous donner aussi une astuce pour faire briller votre évier. Ça sera dans une prochaine vidéo. Donc du coup, celui-ci, voilà son utilité. Il sert vraiment à faire briller votre inox et il est ce petit film. Il est vraiment un peu gras, mais vraiment léger. Et je trouve ça génial en fait. Je sais pas comment vous expliquer la sensation du nettoyage. Elle est fluide et du coup, ben l'évier, il est magnifique à la fin. Il est tout propre et il brille. Donc ça, c'est à avoir chez soi. Ensuite, c'est pour laver votre machine à laver. Donc moi, je nettoie ma machine à laver une fois par mois. Parce que franchement, des fois, elle pue, faut dire ce qui est. Ça sent les égouts, je sais pas ce que ça sent, ça pue. Donc du coup, moi, je les nettoie au bicarbonate de soude et au vinaigre. Et je rajoute celui-ci dans le tambour, là, je rajoute ça. Et franchement, c'est génial, hein. Après, ça laisse une petite odeur de citron. C'est très très agréable. Et il se vend par lot de deux. Donc celui-ci, je l'ai presque terminé. Il se vend par lot de deux. Franchement, je suis désolée, mais j'ai pas les prix en tête. Donc du coup, c'est à moins de 2 euros ou de 3 euros, hein, maxi, hein. Les produits que je vous montre, ils vont pas plus haut que 4 euros. Donc après celui-ci, vous le connaissez tous et tout très bien. C'est le Fix and Go. Je crois que je vous en ai assez parlé. Pour ceux et celles qui connaissent pas. L'utilité de ce spray, en fait, c'est un spray défroissant. Il suffit soit de mettre votre vêtement sur un cintre ou bien le mettre à plat. Vous pulvérisez. En plus, il sent super bon. Et ensuite, ça, comme par magie, ça défroisse le produit. Vous laissez un peu sécher et le tour est joué. Si vous avez la flemme de repasser une chemise ou quoi que ce soit, moi, c'est ce que je fais quand j'ai la flemme de repasser un t-shirt ou quoi. Bim, bim, bim. Et non, plutôt pchit, pchit, pchit. Et c'est rapide. Donc ça, à avoir dans ses placards, faut en avoir au moins une dizaine de ça. Parce qu'après, mine de rien, ça part très très vite, hein. Donc voilà, ça j'en achète souvent. Aussi, à avoir chez soi, c'est un spray dépoussiérant. Donc celui-ci, moi je m'en sers énormément mes radiateurs. Ça c'est top. Et franchement aussi sur mon ordinateur. Parce que ça prend... Déjà mon ordinateur portable, il est blanc. Et je sais pas, c'est un attrape-poussière ce truc. Donc du coup, celui-ci, vous avez le petit chouchou, hop, vous le rentrez à l'intérieur. Je vais vous montrer. Hop, on insère là-dedans. Si j'y arrive, attendez. Voilà. Et ensuite, voilà, ça lâche une pression et c'est froid. Donc ça, j'en ai toujours un. Dans mon placard, parce que franchement, ça aide très très bien. Donc voilà. Ensuite, ce produit que j'aime énormément, et promis, on me l'a demandé plusieurs fois en commentaire d'en faire une vidéo. Promis, j'essaie de vous la poster pour la semaine prochaine. J'essaye, hein. Franchement, je fais au maximum les filles. C'est pour nettoyer l'intérieur de vos fours et de votre micro-ondes. Et franchement, il est topissime. Il y a les avis divergent sur ce produit. Il y en a qui disent il marche, il y en a qui disent qu'il marche pas. Pour ma part, il enlève très bien les taches, il dégraisse très bien. Franchement, le résultat à la fin, il est clean. Donc pour moi, celui-ci, j'aime beaucoup. Et maintenant, il devient de plus en plus rare à Action. J'ai du mal à le retrouver. Donc là, ça va, j'ai de quoi faire encore.
Mais si vous avez l'occasion, pardon, que vous le trouvez à Action, achetez-le, testez-le et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, c'est ces fameuses lingettes miroirs par lot de deux. Donc, c'est des lingettes microfibres, elles sont à 99 centimes, c'est spécialement pour les miroirs. Donc, voilà, les miroirs, les vitres des salles de bain et tout ça. Donc, vous nettoyez, vous mettez votre pchit. Franchement, je vous conseille le produit rose de chez Action. Vous mettez le pchit, vous nettoyez avec ça et avec la grise, là, vous terminez la finition. En fait, ça lustre la vitre. Et franchement, c'est nickel. Pour le prix, il est lavable en machine et réutilisable. Je voulais dire les deux. Donc, il dit qu'il est super absorbant, durable, durable dans le temps, quoi. Et franchement, celui-ci, il existe aussi pour la salle de bain. Je l'ai aussi. Et franchement, le rendu est pas mal. Ensuite, il y a ce produit pour nettoyer vos plaques vitrocéramiques. Hop là, je ne sais pas où je mets le produit. Il y a ce produit vitrocéramique, donc déjà, il faut secouer le chichou là. Vous le mettez sur votre plaque, donc déjà, avant de le poser sur votre plaque, je tiens à vous signaler, passez un coup de chiffon dessus. Vous enlevez voyez toutes les saletés là, s'il reste des miettes de pain ou voilà, des trucs comme ça. Vous enlevez tout, vous mettez le produit. Et ensuite, avec une éponge non abrasive, bien sûr, pour ne pas rayer votre plaque, vous nettoyez. Et ensuite, avec une lingette microfibre, vous venez essuyer. Et ensuite, avec un chiffon, vous venez lustrer votre plaque. Et elle brille de mille feux. Donc voilà, celui-ci aussi, il est à tester, les amis. Il est super. On a le détartrant, le super fin. Vous voyez, moi, je l'ai bientôt fini. J'en ai racheté un autre parce que celui-ci, il m'a vraiment sauvé la vie avec ma machine à café. Mon café ne coulait plus. J'ai une Bosch de Tassimo. Il n'y a rien qui coulait. Je me suis dit, ça y est, je vais devoir en racheter une autre et tout ça. Et je me suis dit, attends, j'ai acheté le produit de chez Action. On va le tester. Et mamie, à peine j'ai mis le produit, donc vous mettez un petit peu de produit, vous remplissez le reste d'eau. Et ensuite, vous actionnez la machine à café. Et le tour est joué, mais en 2-2. Oh, vous savez la crasse qu'il y avait. J'étais là, j'ai dit, ah, et moi je bois mon café là-dedans. J'étais dégoûtée. Donc, on va dire une fois toutes les 2-3 semaines, je détarte un peu ma machine à café. Parce que voilà, après vous pouvez l'utiliser sur les bouilloires, les cafetières, vous voyez les cafetières comme ça là, à l'ancienne là. Et franchement, top. Franchement, celui-ci, je vous le conseille. Il n'est pas cher du tout, à moins de 2 euros déjà, c'est sûr. Et il est topissime. Ensuite, vous avez vu que je laisse le meilleur pour la fin. C'est ce pré-désinfectant. Alors, je vais vous expliquer moi comment je l'utilise. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un spray de désinfection. Donc du coup, je nettoie toute ma cuisine, ou que ce soit ma table à manger, ou voilà, vous m'avez compris, même mes toilettes, pour vous dire. Une fois que j'ai tout nettoyé, je viens avec une lingette microfibre, je viens pulvériser, et en fait, c'est le côté désinfection. Je termine avec celui-ci. Et franchement, il est bien. Hein. Donc je l'utilise surtout. Hein, et voilà, comme il dit, tue les bactéries, les bactéries et les levures. Donc celui-ci aussi, je vous le conseille, il est à moins de 2 euros. Donc top, top, top. Celui-ci, on valide à 100%. Et le meilleur pour la fin, c'est le spray anti-moisissure et détachant. Donc franchement, celui-ci, les amis, si vous le trouvez à Action, foncez les yeux fermés. Il enlève tout. Toutes les grosses taches que vous n'arrivez pas à enlever. Mais c'est impressionnant, je sais pas ce qu'il y a dedans, et même je veux pas savoir, moi tant que ça marche, c'est le principal. Mais dès que vous pulvérisez la tache de moisissure, une grosse tache ou quoi, moi, il m'a énormément servi pendant mes travaux. Quand j'ai enlevé le meuble sous évier, oh le sol, il était dans un état. J'ai dit à mon mari, t'inquiète pas, j'ai le produit magique. Il me l'a vidé en 2-2. Il m'a fait tout le sol avec. Il m'a décapé le sol. Donc ça, j'étais trop contente. Donc celui-ci, franchement, il enlève toutes les tâches. Il est vraiment génial. Donc voilà, les amis, ma petite vidéo se termine ici en espérant que j'ai pu t'éclairer un peu sur certains produits. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas facile à comprendre. Ça sert à quoi, vitrocéramique? Ok, comment on l'utilise? Est-ce que ça, nanani, nanana? Pas forcément beaucoup de monde connaissent un peu les fonctionnalités de chacun.
Donc, je tenais à faire cette vidéo pour vous expliquer ces produits-là. Si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai ça pour d'autres produits, bien évidemment. Il n'y a aucun problème pour moi. Et moi, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!